un endroit pour rêver. Donc j'imagine que tu dois connaître des histoires avec des arbres, avec des rochers. Oh, Simon, il y a beaucoup de rochers sous lesquels il y a des trésors de cachés. Depuis toujours, les forêts partagent l'histoire des hommes. Elles nourrissent l'imaginaire des enfants, inspirent les conteurs et abritent les démunis, les parias.